Hey, what's up tout le monde? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit glitch qui vous permettra d'aller chercher ce nouveau coffre dans le caveau de verre. Comment faire? Tout d'abord, il faut lancer la mission Paradox, donc une mission sur Vénus, hein, vous savez, cette mission assez chiante dans laquelle on doit retourner dans le caveau de verre et tuer un hydre dans le labyrinthe des Gorgones. Donc attention, c'est très important d'être 3 joueurs, il faudra bien aller tuer l'hydre, mais il ne faudra pas mettre le spectre après. Je vais tout vous expliquer dans la suite. Donc pour tuer l'hydre, hein, vous tuez la petite boule, hop, vous les mettez en coup critique. C'est assez rapide, assez facile. Ensuite, il y a un joueur qui va devoir quitter la partie. Voilà, un autre joueur, donc moi, qui va devoir me rendre devant la dernière salle où se trouve Athéon, vous savez, hein, dans le raid. Donc attention, il n'y a pas de plateforme qui spawn. Donc c'est assez facile pour les arcanistes et pour les titans. Ça l'est un peu moins pour les chasseurs. Donc vous allez voir, je mets mon coup d'épaule et mon super mort venu d'en haut, hop, voilà. Et du coup là vous vous rendez directement devant le caveau. Pendant ce temps là, le troisième joueur, qui lui est encore dans la partie, va devoir aller à la fin de la mission. Vous savez, à la fin de la mission, en fait, il y a un petit squelette qui se trouve à l'emplacement d'un des coffres, hein, dans le labyrinthe des Gorgones. Il va devoir se rendre près de ce petit squelette et il va devoir en fait scanner le squelette, mais pas tout de suite. Il faut bien attendre avant de scanner le squelette. Hop, je vais me rendre devant le caveau. Donc je répète, il faut bien qu'un joueur quitte la partie. Il faut qu'un joueur, donc moi là, je me rends devant la porte de la dernière salle où se trouve Athéon. Et il faut que le troisième joueur se rende au squelette, donc c'est la fin de la mission normale. Et il faut qu'il attende. Enfin, dernière manip, il faudra que le troisième joueur qui a quitté la partie, donc vous rejoigne. À ce moment-là, le second joueur qui lui est à côté du squelette va devoir scanner le squelette et se suicider. Et enfin, le troisième, donc moi devant le caveau, je vais me suicider également. À partir de ce moment-là, vous aurez un délai de réapparition qui est plus ou moins long, ça dépend des connexions puisque votre coéquipier est en train de rejoindre la partie. Une fois que tout le monde aura rejoint la partie, hop, vous allez réapparaître directement sur le petit morceau de planète Vénus qu'on retrouve donc dans le raid d'Athéon. Là, il faudra bien clean la salle, il y a vraiment beaucoup de mobs qui vont spawn, hein, des mobs corrompus, des vex corrompus notamment. Il y aura à la fin de ça un boss qui va apparaître, donc c'est l'œil du maître des clés, Zidron, hein, en mode corrompu. Donc il faudra bien tuer ce boss, attention, ce boss peut se rendre invisible, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de le tuer avec tous les vex qui spawnent autour, mais bon, ça passe plutôt bien à 3 joueurs, faites attention de bien vous réanimer pour pouvoir continuer la mission. Une fois que vous avez tué ce boss, une porte secrète va s'ouvrir derrière laquelle va se trouver un coffre. Dans ce coffre, vous aurez peut-être de la chance comme moi en lootant un engramme légendaire directement. Vous aurez dans tous les cas un spectre, ce spectre il faudra aller l'échanger contre le responsable du culte de la guerre future à la tour, et il vous donnera en échange une carte de grimoire. Je tiens à remercier Nekos qui m'a aidé cette nuit, qui m'a fait découvrir ce glitch et qui m'a aidé à le faire. Attention, ceci est un glitch, donc si vous voulez pas le faire, libre à vous. Toujours est-il qu'il ne changera pas le cours du jeu. Je vous laisse avec le gameplay de la fin de la partie. Je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous. Tchuss. Esclave d'une volonté qu'ils ne peuvent saisir. Une volonté qui, ici, s'est éteinte il y a bien longtemps. Des siècles et des siècles. Mais au fond, si vous êtes là, cela signifie peut-être qu'ils ne s'éteindront pas. Gardien à terre. Vex n'épargneront pas la cité. Ils ne vous remercieront même pas.
Mais c'est là la beauté de la lumière. On ne sait jamais où elle va se mettre à briller. Un autre spectre défunt. On dirait que c'est... Oh, c'est le spectre de Prédis. Il contient toujours quelques données dans sa mémoire principale. Le sceau du culte de la guerre future y est apposé. Ça devrait intéresser Lakshmi.